là, je viens de semer 8 heures. Donc là, on va se retrouver avec nos coureurs. Donc alors, les gars, comment vous vous sentez ce matin? Mais écoute, ça va. Hâte de commencer, hein, perso. Ouais, peut-être pas, mais après, bah, après 6 mois de préparation, on a hâte de se lancer, quoi. Du coup, on va se retrouver sur le parcours, hein, et puis on va vous poser quelques petites questions. Comment vous vous sentez, tout ça, tout au long. Je sais pas si on pourra te répondre. On va essayer de te répondre. T'es prêt? Allez, les gars, top départ, c'est parti. J'ai pas rêvé, me réveille, pas tout à fait comme la veille. Alors là, nos deux marathoniens viennent de commencer les courses. 8h06, ça fait environ 5 minutes qu'ils sont partis. Donc on les voit passer juste devant le dernier chevalement en bois d'Europe, donc il se trouve à la Touède. Pour faire une petite dédicace à la famille. Allez, vas-y, Quentin, dis-nous tout. Hein? Fais tes dédicaces, Quentin. Bah, dédicace les grands-parents qui nous regardent. Ça leur change de Nagui. Dédicace à tous les amis qui arrêtent. Dédicace à papa, maman qui nous regarde aussi, le petit frère, entre tous les attaques sur Clash of Clans. Et Amine, Jean-Marc, Myriam, Fred, Rami, on va peut-être connecter. Je sais pas si c'est connecté à 8h ce matin. Ah oui. Bravo les gars. Vous voulez à manger ou pas? Non, c'est bon. Okay. Allez, les gars, ouais. Allez, ouais. Il y a des huîtres. N'importe quoi. Eh ben, Léon. Combien de kilomètres là? Ça va? 29? Quentin? Ça va. Ok. Le mur? Non. Le mur? Encore. Ok. A few moments later. Quentin, il est dégringué, il est cramé. Allez. Ouais. 50 mètres. Allez. Tous ensemble, c'est excellent. Mètres. Allez, 300 mètres, 200 mètres. Allez, jusqu'au bout. Allez, à la maison. Vas-y, Quentin. Allez, dernier coup de vue, c'est sûr. Allez, vas-y. Allez, c'est bon, bravo. Ouais. Bravo. Ouais. Bravo, ouais. Bravo. Parle-nous de ta performance, Quentin. Compliqué, hein. Compliqué. Le mur à combien? Bah 30, 32, je pense que là ça commençait vraiment à piquer. Et ouais, les 8 derniers. Qu'est-ce que t'as ressenti physiquement? Deux bouts de bois à la place des jambes. Et puis il y a à moitié envie de vomir, tu sais, le ventre m'est explosé. Le souffle en fait impeccable. Mais alors, ouais, le ventre dans un état bizarre et ouais, deux bouts de bois. Deux bouts de bois au niveau des jambes. Et toi, ta course, Hugues, t'as ressenti? Bah, par rapport à mon premier marathon à La Rochelle, le jour à la nuit quoi. Pas de gel, des ravitaux solides. On s'est bien calibré sur l'allure au début. J'ai peut-être un peu enflammé à certains moments, quand même quoi. Ah, ce qui était bizarre, c'est qu'on s'enflammait surtout quand on voyait une caméra, quoi. Bon, on n'a pas non plus la télé, mais bon, mine de rien, quand t'as du monde autour, c'est vrai que tu peux vite t'enflammer, quoi. Ouais. Ouais, c'est bien. Ça te fait.